Il fait encore noir et les vaches s'agitent. Elles sentent que le moment approche. Au même moment, à Godu, à quelques kilomètres de là, Sébastien est déjà réveillé. Il se prépare pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, Sébastien a la charge des deux traites. On traite deux fois par jour. On commence la traite à 7h moins quart le matin. La traite du matin est toujours plus longue parce que y a plus de temps d'écart entre les deux traites. Donc on termine vers 8h15, 8h30. Quand, en 2003, Sébastien commence à exploiter la ferme de ses parents, il n'a que 21 ans. J'ai quitté l'école voilà, à l'âge de 19 ans. J'avais un parcours d'installation à effectuer, donc qui a duré 8 mois entre des stages et puis des journées de formation pour savoir si économiquement reprendre la ferme de mes parents c'était viable, quoi. À l'époque, l'exploitation a besoin d'une modernisation importante dont le coût est très élevé. La ferme n'était pas aux normes pour récupérer toutes les autres salles de traite, le purin, etc., les bouses des vaches. Et donc, l'investissement que ça demandait me faisait peur. Et Christophe et Hervé, dans une réunion de famille, qui était installée donc, à 5 km d'ici, en bio. Moi, j'étais pas en bio. Les discussions ont commencé, quoi. Sur un projet commun. Eux, ils étaient un petit peu juste en termes de nombre d'hectares. Donc, les deux fermes étaient assez complémentaires, malgré la distance, quoi. À présent, il fait partie d'une association de 4 personnes, appelée GAEC. Un GAEC, Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, est une association où tous les membres se partagent équitablement la charge de travail ainsi que les bénéfices. De manutention, on dit qu'on a pour 150 euros, elles font 2 ou 4 mètres. Il dit avec ça, c'est sécurisé et ça ne va jamais revenir à la gueule. Le GAEC de Brandéa se trouve dans le département du Morbihan à Allaire, petite commune d'environ 4000 habitants. Son histoire remonte au temps préhistorique. Brandéa est située à quelques kilomètres seulement du centre, au bord d'une route sinueuse. En 1948, Joseph Baron et son épouse Jeanne s'établissent à Brandéa. La ferme a connu de nombreux changements au cours des 70 dernières années. Mais dans les années 60,
l'agriculture en France obéit à un important mouvement de modernisation. À cette époque, André, le fils de Joseph et son épouse Thérèse ont déjà repris la ferme. Ils participent à ce changement et c'est alors qu'ils décident de se spécialiser. En 1974, la production de lait devient leur principal objectif. Et en 1988, Christophe, le fils d'André, devient la troisième génération de barons à reprendre Brandéa. En fait, moi, je me suis installé sur la ferme il y a un petit peu plus de 30 ans, en octobre 1988. Mais j'y vivais précédemment, parce qu'en fait, je suis né ici, j'ai vécu mon enfance à Brandéa. Donc, en m'installant en 1988, en fait, j'étais pas sur quelque chose de nouveau. J'ai donc fait à l'époque une formation de BTS agricole au début des années 80. Donc j'ai obtenu mon BTS en 1983. Et mon premier boulot, en fait, ça a été comptable. Et donc, voilà, c'était mon premier job dans la vie. Et suite à ça, un an après, en fait, j'ai été sollicité par un mouvement de jeunesse pour plutôt faire de l'animation. Et donc, j'ai donné une réponse favorable à ça. Et pendant 3 ans, en fait, j'animais des groupes, soit de jeunes agriculteurs, soit de jeunes en formation agricole. Et donc, c'est en repratiquant ce métier-là que ça m'a vraiment redonné envie d'être agriculteur. Christophe s'associe alors à un ancien collègue poursuivant la tradition paternelle dans l'agriculture conventionnelle. Quelques années plus tard, ce partenariat prend fin et la ferme se convertit au bio. Allez, mangez. En 2004, souhaitant poursuivre le métier sous forme coopérative, il recherche un nouvel associé. Hervé se porte donc candidat et c'est ensemble qu'ils poursuivent la mise en valeur des terres de Brandéa. Ouais, donc là je vais monter une clôture dans une parcelle un peu avancée. Au niveau, on va arriver un peu tard dessus, mais enfin c'est pour des vaches taries, donc c'est pas gênant. Des vaches taries, alors vaut mieux une nourriture pas trop riche. Donc c'est deux petites parcelles qu'on a récupérées auprès du bourg, là, auprès d'un ancien agriculteur, qui tenait à ce que les parcelles soient exploitées en bio. Donc je suis arrivé au GAEC de Brandéa en août 2004. Auparavant, j'avais travaillé à la poste durant une vingtaine d'années. Donc j'avais pas un parcours qui me préparait à être agriculteur. J'avais d'abord fait un bac, à l'époque ça s'appelait un bac B, bac Sciences Éco, un rapide passage à la fac de Sciences Éco. Et après, ben, je suis rentré dans le monde du travail comme salarié et j'ai passé presque 25 ans à la poste. Donc Christophe était à la recherche d'un associé. Moi, j'étais intéressé par l'agriculture depuis longtemps. Depuis gamin, j'ai traîné sur les fermes, conduit des tracteurs. Mais bon, ça faisait presque 20 ans que je n'avais pas fait de traite. Donc j'avais tout à apprendre. Donc j'ai pris un congé formation auprès de la poste. J'ai passé un BPREA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Et ensuite, je me suis installé le 1er août 2004. Donc ça fera 15 ans. Le déclic, je dirais, pour changer de boulot, ça a été le parcours d'un copain qui était chirurgien-dentiste et puis qui est devenu maçon. Donc je me suis dit que si lui, de chirurgien-dentiste, il était passé maçon, moi de postier, j'aurais bien pu faire paysan. Donc ça a été un peu ce qui m'a donné le courage de sauter le pas, parce que c'est quand même pas évident quand on a un statut de fonctionnaire de devenir agriculteur, les gens vous regardent avec de grands yeux, quoi. Et le fait que Christophe venait de passer en agriculture biologique m'intéressait, je trouvais que c'était un beau challenge. Au moment où Sébastien envisage de rejoindre le GAEC, Christophe et Hervé exploitent déjà 80 hectares de terrain. Avec l'ajout de Sébastien au groupe, ils atteignent 180 hectares répartis sur 4 communes. Et en termes de surface, souvent on définit une ferme aussi par rapport à sa surface. On a 180 hectares de surface agricole utile. Si on comptait la totalité de la ferme, il y a également un petit peu de bois, donc il faudra rajouter, je pense, 5-6 hectares. Mais 180 hectares utiles, et sur ces 180 hectares, il y a une cinquantaine d'hectares en Marais de Vilaine. Donc quand on dit que c'est des hectares Marais de Vilaine, zone Natura 2000,
Ça veut dire qu'on est sur des parcelles qui sont distantes de 6 à 12 km des sièges d'exploitation. Je dis volontairement des sièges d'exploitation parce qu'il y en a plusieurs. Je disais tout à l'heure que la ferme est issue du regroupement des fermes de nos grands-parents paternels et maternels avec les cousins. Et donc deux fermes distantes de 5 km et une troisième ferme qui est celle des beaux-parents de Sébastien. Qui est aussi, je dirais, à mi-distance entre les deux, plus d'autres îlots ailleurs. Ces 180 hectares sont répartis sur les villages de Rieux, Allaire, Saint-Gorgon, Bégane et Cadin. Bien que l'augmentation de surface ait ses avantages, la distance entre les parcelles est également accompagnée d'inconvénients. On a des parcelles qui sont très éclatées, sur quatre communes, et ça c'est vraiment le gros inconvénient aujourd'hui de la ferme. Mais en tous les cas, à ce moment-là, en 2008, quand on commence à discuter ensemble, c'était une opportunité voilà, pour tout le monde, quoi. Pour moi le premier, mais du coup, eux, ça confortait aussi la structure à Mandel. Donc à ce moment-là, il y avait Christophe et Hervé uniquement, et Christian nous a rejoints en 2012. Alors, je travaille à la ferme de Brandia depuis 2012, depuis juin 2012. En fait, j'ai fait une formation à BPREA, polyculture, élevage, afin de m'installer en agricole et donc rejoindre le GAEC familial à Brandia, donc, avec deux cousins et puis mon petit frère. Alors, avant, je travaillais chez BIC. BJ75 à Redon. Je faisais de la mécanique de précision. Donc j'ai fait de l'électro-érosion par enfonçage pendant 4 ans. Et puis j'ai fait de la rectification plane, sur commande numérique ou traditionnelle, pendant 13 ans. Donc, j'ai travaillé 17 ans en fait, chez BIC à Redon. Alors, je voulais être au contact de la nature, donc retrouver déjà un travail extérieur, ne plus être enfermé dans des bâtiments, et puis le contact avec les animaux aussi, qui m'intéressait, puis que j'avais connu étant plus jeune quand même, à la ferme de mes parents. Ce qui unit les quatre associés n'est pas seulement un lien familial, mais aussi et surtout une philosophie de l'agriculture où le collectif et l'environnement sont au cœur du projet. Le fait que la ferme soit en bio m'a vraiment attiré parce que pour moi le système conventionnel est une impasse par rapport à la biodiversité, par rapport aux pesticides et puis l'appauvrissement des sols et puis par rapport aussi à toujours la même, le manque de rotation. Je pense que c'est un problème aussi. C'est plus technique en bio, mais c'est ça qui est intéressant aussi. On travaille plus avec, avec le vivant et puis l'excès d'antibiotiques, je pense aussi, en conventionnel. Moi, à un moment donné, j'ai fait le choix de m'orienter vers l'agriculture biologique. C'est une prise de conscience, donc je dirais une bonne dizaine d'années avant que je le fasse en fait, de la dangerosité des produits phytosanitaires. J'étais en charge donc d'assurer les traitements sur les cultures. J'avais un défaut à l'époque, c'est que j'étais fumeur. Et je m'en souviens avoir été profondément dérangé. Alors probablement que le tabac n'arrangeait rien, mais en ayant opéré des traitements sur des cultures, j'avais eu des maux de tête, enfin, ça allait pas bien. Et puis le hasard a fait que de manière quasi concomitante, une association à laquelle je participais, une association de formation, avait organisé un colloque à Pontivy sur la dangerosité des pesticides. Et là, à ce colloque, donc, il y avait un éminent professeur qui était intervenu pour nous parler de la dangerosité des produits phytosanitaires. Et là, ça a été pour moi le premier déclic. Et après, l'attachement à la dimension de l'environnement. Dans les années suivantes, on a eu la Mococadis, on a eu des catastrophes. Tout petit à petit, en fait, en,
en vieillissant un peu avec l'actualité du monde qui est toujours riche d'événements autour de l'environnement, je me disais, moi, il faut que je trouve la matière à être aussi à concrétiser en fait des choses en matière d'environnement, quoi. L'agriculture biologique, pour moi, ce que ça veut dire, ou pour nous, je pense que mes associés seront d'accord avec moi là-dessus, c'est le respect de l'environnement en A, sans doute, en B, la volonté d'autonomie. C'est-à-dire qu'on produit avec ce qu'on a, ce qui est existant sur la ferme. Donc c'est... Ça veut dire une volonté d'indépendance par rapport à un système extérieur qui peut nous imposer plein de choses. Ça veut dire aussi le refus, sans doute, d'un système agricole mondial qui n'est pas sans poser question, que ce soit l'exploitation, enfin la production de soja en Amérique du Sud pour amener de la matière protéique dans nos pays européens. Ça veut dire aussi une intégration dans le milieu dans lequel on vit, qui est plus facile, parce que l'agriculture intensive commence à poser énormément de questions aussi à la population. Donc ouais, ce choix de l'agriculture biologique, je pense, était basé là-dessus. Ça interroge vraiment sur la planète qu'on veut laisser à nos enfants. Et en ce sens-là, pour moi, il y a une vraie dangerosité de l'agriculture basée sur la chimie. La philosophie de l'agriculture bio pour une exploitation laitière comporte deux poids principaux. Le premier, le plus évident, est le refus d'utiliser des produits phytosanitaires. Mais le second, et non le moindre, est la production de nourriture nécessaire aux animaux. Quand on passe en bio, en fait, on change complètement le système et on doit avoir comme premier principe l'autonomie de la ferme. C'est-à-dire que quand on passe en bio, il faut penser à ce qu'on va vendre, mais il faut se dire qu'on n'achète pas. Et donc, ça oblige à revoir complètement les méthodes de production en travaillant en complémentarité, en prenant en compte les rotations, par exemple, des choses auxquelles on s'est déshabitué quand on travaille en conventionnel. Une journée typique à Brandéa commence par la première traite. Une tâche que chacun accomplit à son tour, comme toutes celles nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Leur production annuelle atteint environ les 440 000 litres de lait. La colonne vertébrale économique de la ferme, c'est le lait. Et le lait, il est vendu pour l'essentiel, je vais dire la quasi-totalité, en termes de volume, c'est 420, 430, 440 000 litres suivant les années, qui sont vendus au groupement de producteurs biolait. On vend au groupement de producteurs biolait parce que derrière, il y a un projet solidaire de structuration de filières, solidaire entre les producteurs. Et ce groupement, il permet la maîtrise par les producteurs. Et c'est ce qui nous a intéressés dans l'adhésion à ce groupement-là. Certaines tâches comme la traite sont immuables et reviennent chaque jour. Mais le reste du travail quotidien est rythmé par les saisons. Commencer l'année par la fin de période hivernale. Les bêtes sont encore en bâtiment, on consomme les fourrages qu'on a produits au printemps passé ou à la fin de l'été. C'est beaucoup de travail de soins aux bêtes. La nature est encore au repos, on ne travaille pas les terres ou très peu. Et puis arrive la fin d'hiver, le printemps, et puis là, faut qu'on s'occupe de la terre, faut qu'on s'occupe de sortir les bêtes, de reprendre le pâturage, de les mettre dans les meilleures conditions pour que cette pousse de l'herbe, on en profite au maximum. Donc on essaye, avant le 30 mars, que toutes nos pâtures aient été au moins une fois pâturées, pour s'assurer une bonne repousse derrière, et puis profiter de ce que nous donne la nature, c'est-à-dire à cette époque-là, c'est les heures d'ensoleillement, c'est la pluie, un sol qui est encore gorgé d'eau et où ça pousse, et les degrés. Donc la photosynthèse et l'eau, et puis une terre qui fonctionne bien. Et c'est ce qui fera qui va permettre à la ferme de vivre et aux bêtes de produire. Donc là, fin de printemps, on va attaquer les labours pour semer le maïs. Alors le maïs, sur notre ferme, il a la particularité... Il a la particularité
d'être un peu en autonomie puisqu'on produit une grosse partie de nos semences. Il y a eu un travail de mener depuis plusieurs années là, sur une sélection de grains de maïs qu'on a essayé vraiment d'adapter à notre contexte pédoclimatique. Ça, toujours cette volonté d'autonomie. Les paysans, ils ont toujours semé leurs semences. Et c'est depuis 20 ans ou 30 ans que les semenciers ont pris la main et nous ont complètement dépossédés de ce savoir-faire. Donc, c'est sûrement c'est un grain de sable dans le désert, mais on y tient à cette démarche-là. Donc, le maïs semé, il y a aussi les premières fauches d'herbe. Alors, l'herbe, on la récolte de trois façons. Alors, soit en affouragement en verre, c'est-à-dire que l'herbe est ramenée à l'auge aux vaches et il est consommé dans la journée où il a été fauché. C'est ce qui permet de valoriser des parcelles plus lointaines. Ou sinon un système de fauche et de stockage, soit sous forme de foin ou d'enrubané. Enrubané, ce sont les bottes plastiques qu'on voit souvent autour des fermes. Le gros avantage par rapport au foin, c'est qu'il nous faut peu de temps pour le sécher. En 48 heures, on fait de l'enrubané. En Bretagne, il faut plutôt 4, 5, 6 jours pour faire un foin correct. Donc vient cette période de fauche. Donc il y a un gros coup de bourre avec la fauche du marais. Parce qu'on a cette particularité d'avoir les prairies humides de Bordeaux-Vilaine qu'on récolte, qu'on fauche une fois par an et puis qui sont pâturées en général une autre fois. Donc une fois la moisson, fin d'été, une fois la moisson était faite, on a engrangé les céréales, la paille est stockée à l'abri, le foin est stocké à l'abri, on est préparé pour passer l'hiver suivant. Outre la production agricole, il se préoccupe non seulement du coût engendré par l'utilisation des énergies fossiles, mais également de la protection de l'environnement en produisant leur propre électricité au moyen de panneaux photovoltaïques. En 2007, on était en France dans le contexte du Grenelle de l'environnement. Il y avait beaucoup de choses qui se déroulaient autour de l'énergie, des débats, ça discutait. Et le groupement des agriculteurs bio du Morbihan, il avait initié une formation sur les questions d'énergie et il cherchait un lieu et la formation a eu lieu sur la ferme. Donc on y était tous les deux avec Hervé, parce qu'à l'époque, donc en 2007, on était deux associés sur le GAEC. Et ça a été un peu pour nous, je pense, le déclic et la prise de conscience, ce qui fait qu'on a initié donc, la construction de ce bâtiment avec, à l'époque, un tarif de rachat du photovoltaïque qui était intéressant, plutôt très incitatif. Ça a duré 2 ans, 3 ans. Donc on est passé, je dirais, dans la bonne phase, parce qu'aujourd'hui, donc, sur ce bâtiment-là, on vend un équivalent de 20 000 euros d'électricité. Je parle volontairement en euros pour que ça donne un ordre de grandeur. Et en fait, c'est un bâtiment qu'on a payé, qu'on va terminer de payer dans 4 ans. Donc on l'aura financé sur 15 ans. Et on a un contrat d'achat donc, qui dure 20 ans. Ça veut dire qu'à compter dans 4 ans, pour l'instant, ça couvre largement le fait de rembourser le bâtiment. Et au terme des 15 ans, en fait, ça va être du revenu direct qui va arriver sur l'exploitation. Donc, ce n'est pas anodin, même si ça va durer que 5 ans. Et ensuite, l'installation, elle aura une vingtaine d'années. Et on aura tout loisir, alors soit de continuer à vendre à un tarif qui sera certes inférieur, mais les panneaux continueront à fonctionner, parce que la durée de vie des panneaux, en fait, elle peut être très très longue. Ou alors soit en autoconsommation, ce qui fait d'autant plus sens, parce que je pense que les fermes de demain, elles occulteront pas la question de l'énergie, que ce soit pour la traction, parce qu'il y a la question des tracteurs, de la dépendance au pétrole qui va se poser, mais aussi pour l'électricité, parce qu'on utilise de plus en plus d'électricité sur les fermes, et donc avoir des installations qui produisent sur place, je pense que ça fera sens, parce qu'on est à peu près sûr que l'électricité va fortement augmenter. En raison de la diversité de leur production, la vie et le travail à Brandéa sont également très variés. La ferme de Brandéa, on pourrait se poser la question si elle a réellement un aspect unique, mais en tous les cas, elle dégage certains axes, on va dire, qui ne sont pas forcément communs sur d'autres exploitations. D'avoir autant diversifié les productions qu'on a sur la ferme, ça c'est assez rare aujourd'hui. Avant, ça se faisait de manière assez logique, c'est-à-dire tout le monde produisait 2-3 cochons pour sa consommation personnelle, faisait un petit peu de lait, vendait la crème pour faire du beurre, etc. Donc il y avait beaucoup plus de diversification, quelques volailles, éventuellement du blé pour faire du pain.
c'est quelque chose qui s'est perdu. Le monde agricole, à un moment donné, on leur a dit, voilà, vous faites du cochon, spécialisez-vous dans le cochon, vous serez meilleur techniquement et tout. Et c'est sans doute un tort de raisonner comme ça, parce que du coup, on a enfermé certains secteurs qui ne peuvent même pas se retourner quand ils sont dans des difficultés économiques, parce qu'ils ne produisent que ça. Et du coup, on a concentré aussi comme ça des zones d'élevage, des zones de culture, etc. Je trouve que ça a vraiment été un mal, en tous les cas, de mon point de vue. Donc nous, on a cette particularité-là, c'est d'avoir une diversification dans ce qu'on produit. Bien que le lait produit à Brandéa soit principalement vendu à Biolay, les particuliers sont invités à venir pendant la traite en acheter directement pour leur usage quotidien. L'impact économique de cette vente sur le revenu de la ferme est particulièrement nul, mais le gain relationnel et humain est inestimable. De même, chaque année, une quinzaine de jeunes bœufs sont commercialisés en vente directe sur la ferme et en filière longue. On a des races laitières qui sont mixtes, donc qui peuvent aussi, notamment la Montbéliarde et la Normande, permettre de faire des animaux bien conformés au niveau qualité bouchère. Et comme on a beaucoup d'hectares de marais, pour valoriser ces hectares de marais, on garde les mâles et on vend de la viande. Alors, à la fois en filière longue, un groupement qui s'appelle Bretagne Viande Bio, qui est un petit peu à la viande, ce que Biolay est au lait, mais aussi, et là de manière plus importante que sur le lait, on a un réseau de vente directe. On doit vendre des colis d'une dizaine de kilos à environ 150 familles sur le coin. C'est-à-dire qu'on tue une bête par mois, et cette bête, elle est vendue donc un petit colis de 10 kilos. C'est quelque chose qui est apprécié, et là, ça, je dirais, c'est une relation encore plus forte avec des gens qui viennent chercher leur colis à la ferme et une volonté de notre part de poursuivre dans cette dynamique-là. Gardez au frigo ce qui est steak, côte de bœuf, roast beef, 4-5 jours. La viande est continue à maturer. Voilà. En 2012, l'arrivée de Christian au GAEC coïncide avec l'acquisition d'un verger de 2 hectares qui leur permet de se diversifier encore plus et de produire du jus de pomme et du cidre d'excellente qualité. Là, on est plutôt sur une activité qui va crescendo. On vend à peu près 8000 litres de jus de pomme actuellement. Et puis, de façon, disons, moins importante, on s'est remis à faire notre propre cidre, comme c'était le cas du temps des grands-parents, à faire des petits produits comme le pommeau, comme le vinaigre de cidre. Donc voilà, ça n'a pas un objectif commercial, mais c'est plus quand on accueille des gens à la ferme aujourd'hui, on sait qu'on a ces produits-là, et c'est un petit côté sympa qui renvoie aussi au fait d'avoir des savoir-faire et d'essayer de les affiner un petit peu sur ces produits-là. Ouais. Voilà, à bientôt. Et merci. Ouais, bien sûr. Je vais me dire merci comme des guillemots, je lui dis j'ai fait un regard exprès pour ça, je vais pas vous les mettre. Je mets juste dans le coude mon verre. Ouais, c'est bon, merci. Bien que l'activité à la ferme soit variée, il en est une pourtant incontournable. C'est la pause café de 10h. À 9h30, 10h moins le quart, en général, tout ce travail-là est fini. Et là, c'est la pause café. Alors la pause café, nous on l'a instituée, on est quasiment là tous les 4, tous les matins. Il y a un petit côté informel, mais c'est aussi le lieu d'échange, c'est aussi le lieu, c'est la réunion rapide où on fait le point sur les petits trucs qui a calé dans la journée. C'est quand ça produit aussi l'endroit où on va discuter de quelquefois des choses extérieures au GAEX. C'est vraiment un lieu d'échange et d'enrichissement. Moi, je trouve que c'est une sacrée chance d'avoir ce moment-là pour. Ça peut être des problèmes techniques, mais ça peut être le match de foot de la veille, ça peut être le problème politique local, la vie familiale de chacun, la vie de tous les jours. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir un boulot où on peut s'accorder un quart d'heure, 20 minutes, comme ça, tous les jours, où on fait le point. De fait, à surface comparable, Brandéa n'est pas différente des autres fermes laitières de la commune. Ce qui distingue les exploitants, c'est cette volonté d'entretenir une relation étroite avec la communauté.
J'ai été licencié, j'étais développeur en informatique et j'avais 48 ans. Et quand j'ai commencé à chercher d'autres travails, finalement, je me suis rendu compte que j'étais obsolète, trop vieux sur le marché. Il y avait beaucoup de jeunes étudiants, beaucoup moins embêtants que moi, plus souples. Donc, très rapidement, je me suis dit, je ne vais pas continuer à faire ça. Et donc, je m'intéressais beaucoup au bio, notamment avec les copains de Brandéa, qui étaient en bio aussi. Et là, j'ai rencontré donc des paysans boulangers, parce qu'il y en a plusieurs dans la région. Et là, j'ai trouvé ça vraiment super, et avec un investissement aussi qui était raisonnable. Donc, on a commencé à monter ce projet. Le statut de paysan boulanger, c'est agriculteur qui fait pousser son blé, et avec son blé, il fait le pain. Mais je n'étais ni boulanger, ni agriculteur. Et donc là, je connaissais beaucoup Christophe et Hervé, on est amis depuis l'adolescence finalement. Donc j'ai été les voir, je leur ai expliqué mon projet, et ils m'ont dit, nous sur le côté agricole, ton projet nous intéresse, ça fait en plus des acteurs bio sur la commune, donc on te donne un coup de main, nous on a les tracteurs, on a tout le matériel, donc tu te prends pas le chou avec ça, nous on est là derrière toi. Donc ça c'était le côté agricole, et après sur le côté boulange finalement, j'ai fait quelques stages finalement de journée chez des collègues paysans boulangers, où là j'ai appris un petit peu les bases pour faire le pain. Et puis après, ben, on a commencé avec Corentin à se lancer tous les deux. Alors au début, sur des quantités vraiment très modestes, hein, puisqu'on n'avait pas encore toutes les clés finalement, de la fabrication du pain. On se faisait avoir plein de fois, notamment quand il faisait chaud ou trop froid. Le pain, on savait faire, mais il ne nous parlait pas encore, quoi. De plus, non loin de Brandéa se situe Chouette Galette, un pittoresque restaurant artisanal. Anne, la patronne, n'a qu'un seul objectif, fournir de délicieuses galettes et crêpes faites à partir d'ingrédients bio produits localement. J'ai créé une crêperie à Saint-Gorgon qui s'appelle Chouette Galette. Donc cette petite crêperie, elle est en plein air. C'est une terrasse couverte, donc ça ressemble un petit peu à un hangar mais sans mur. J'ai une petite cuisine, c'est une cabane de jardin. Cette crêperie, je l'ai créée, elle est sortie de mon imagination. Je l'ai créée donc au milieu de mon jardin. C'est mon mari qui a fait la structure. On est vraiment, oui, au milieu de la nature. Il y a un poulailler, il y a une balançoire accrochée à un chêne, une rangée de chênes derrière la crêperie, un potager. Il y a des endroits de mon jardin qui sont un peu jungle, mais voilà, c'est un peu une petite mare avec des grenouilles. J'essaye de proposer des choses classiques et moins classiques. Ce qui me tient à cœur, c'est que les gens se réunissent sur la terrasse et qu'ils s'y sentent bien. C'est quand même le premier but. Qu'ils mangent bien, même si ce sont des choses simples, qui sont toujours des choses saines. J'essaye de faire marcher un maximum de producteurs locaux. De proposer des ingrédients bio. Alors tous les ingrédients de base sont bio, le sucre, les farines, le lait, les œufs. Alors j'ai la chance d'avoir la ferme de Brandéa à 2 km de la crêperie, donc pour moi c'est super parce que j'ai besoin de lait pour faire les crêpes, donc je vais chercher mon lait, parfois j'y vais même à vélo. Ils font du super bon cidre, du bon jus de pomme, et en plus ils sont bio, ce qui est important aussi pour moi. Ils sont passionnés, donc je trouve ça super de pouvoir voilà, déjà leur acheter leurs produits et d'échanger avec eux. C'est quelque chose qui est important, oui. Bien souvent, l'agriculteur est devenu de plus en plus isolé, contrairement aux pratiques d'autrefois où l'entraide était monnaie courante. En revanche, les partenaires de Brandéa apprécient la coopération avec d'autres fermiers en se prêtant main forte pendant la saison des récoltes. Donc voilà, toutes ces relations. On a aussi d'autres relations avec d'autres agriculteurs, que ce soit pour du matériel en commun. Donc on a ça avec des plateaux à fourrage, avec la bineuse, avec le matériel pour le foin, donc la faucheuse,
le Landener, c'est pour remettre le foin en rang avant qu'il soit bottelé, etc. Et pour les ensilages aussi. Donc on s'entraide avec d'autres agriculteurs, on va chez d'autres agriculteurs ensiler de l'herbe ou du maïs, ils viennent chez nous, on entraide. Donc voilà, c'est important toutes ces relations-là dans le monde agricole, parce qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus isolés, les structures ont tellement grossi que les gens ils font par entreprise, mais ils ne voient plus personne, donc on est très attaché à garder ces relations-là. Donc dans ces échanges qu'on peut avoir avec d'autres agriculteurs, ils ne sont pas forcément bio. Je tiens à le préciser parce que c'est, pour nous, c'est plutôt, on va dire, une solidarité qui s'installe. On est, voilà, dès que quelqu'un est en panne ou quoi que ce soit, il peut faire appel à l'autre. Donc on a des valeurs communes sur le travail, même si on n'a pas des valeurs communes spécialement sur les modes de production. Humainement, ça reste important quand même, quoi. Donc pour les ensilages ou pour le ramassage du foin ou les moissons, quand on s'entraide, souvent c'est une grosse journée de travail qui est fixée, voire même deux à suivre parfois. Donc dans la journée, on n'a pas trop le temps de traîner, mais le soir, souvent on reste ensemble, prendre l'apéritif, partager le repas et puis passer un moment convivial ensemble. Voilà, c'est un petit peu même la fête par moment. Mais c'est important aussi ces relations-là, quoi. Après une grosse journée de boulot, tout le monde est un peu content de décompresser. Et puis c'est ce qui nous lie aussi quelque part. Dans son jardin, soir et matin, la belle descend dans son jardin, soir et matin. C'est pour cueillir la violette, le romarin. La philosophie du collectif ne se cantonne pas aux limites d'Aller. Elle dépasse même les frontières de la France. Chaque année, ils prennent le temps, malgré leurs horaires chargés, de planter et de récolter des pommes de terre qui sont vendues et dont l'intégralité des recettes est versée à un projet de crèche au Pérou. En fait, nous, on a connu l'association Crèche d'Arequipa il y a un peu plus de 30 ans, c'était en 1988, et on avait fait un voyage au Pérou. Et au cours du voyage, en fait, on avait eu le contact de Annie Wallick, une des fondatrices avec Armel de l'association, qui elle était au Pérou. Et donc on a découvert ce qui se faisait là-bas dans l'accueil des enfants des bidonvilles. Et quand on est revenu en France après, tout naturellement, on a parrainé, on s'est engagé dans l'association. Et même si après, on n'est pas resté engagé pendant 30 ans pour gérer la structure, on est resté parrain depuis 30 ans. Et là, il y a eu cette proposition de cultiver les patates au profit des enfants des crèches. Et ben, on s'est positionné au niveau du GAEC en disant « Ouais, c'est un truc sympa, on a envie de le faire. » Et puis, on a fait la première fois l'an dernier. On était une quarantaine à ramasser les patates. C'est des bons moments de convivialité, comme ceux que tu peux voir là maintenant. C'est sympa et puis c'est une cause juste. Et l'an dernier, ça a permis de dégager près de 5000 euros de bénéfices au profit des gamins des crèches d'Arequipa. Le travail d'un agriculteur génère de nombreuses satisfactions. Mais comme toujours dans la vie, elle s'accompagne de difficultés et de risques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait mal. En fait, la vache, si tu veux, elle était tombée, sans doute en fièvre de lait, c'est vacciné avant de me confirmer. Quand je suis arrivé, je suis venu la replacer, j'ai pris la tête. J'ai essayé de pousser la tête et là elle a retenu un grand coup de tête en fait en crise de tétanie. Tu vois, tous les muscles sont à chitons comme la crise de tétanos pour les humains, tout est comme ça. Et du coup, j'ai pris la tête juste à l'épaule. C'est un peu dur de lever le bras, mais quand c'est chaud, ça va. Donc là, on va dans un champ. Il y a une vache qui a fait une fièvre de lait. Donc en fait, c'est un problème sur la mobilisation du calcium au moment du bêlage. Donc il faut absolument lui réinjecter du calcium pour que ça redémarre. Thank you.
faire, ma belle. Ah, punaise. L'animal malade a finalement donné naissance. Mais malheureusement, la mère et le veau n'ont pas survécu. Malgré la tristesse causée par une perte, la fatigue des longues journées et les éventuels dangers, ils ont le soutien de leur famille et ne choisiraient pour rien au monde une autre occupation. Donc, le travail d'agriculteur, c'est un travail qui est très prenant, mais j'aime mon travail. Je me vois mal aujourd'hui faire autre chose. Alors peut-être qu'à l'avenir, voilà, il y aura des choses à réajuster, que j'aimerais moins faire certaines choses et puis que je me serais intéressé à d'autres productions. Mais globalement, d'être au contact des animaux, d'être au contact de la nature, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Je pense qu'on ne peut faire ce métier que si l'on est passionné. Aimer son travail, pour moi, c'est pas assez. Il faut vraiment être passionné parce que y a des fois, c'est quand même des grosses contraintes. C'est-à-dire, on s'apprête à aller quelque part en famille ou quoi que ce soit, et d'un coup, il y a un coup de téléphone. Il y a des bêtes de sortie, il faut aller tout de suite s'en occuper. C'est tout de suite un stress qui est engendré et puis des heures de travail qui vont en découler. Donc ça fait partie des grosses contraintes qu'il peut y avoir, c'est d'avoir l'esprit occupé. Je ne vais pas dire continuellement, mais quand même dans une journée, c'est les trois quarts du temps que l'esprit est occupé par la vie de la ferme, quoi. Mais ceci dit, voilà, je me retrouve complètement dans le métier en soi, hein, malgré ces contraintes. Avec l'exode des jeunes vers les villes, l'avenir de toute ferme est précaire. La triste réalité est que de nombreuses exploitations ne sont plus entretenues lorsque les agriculteurs partent à la retraite. Je me suis installé en 1988. Il y avait 160 fermes à l'air. 160 fermes. Sur lesquels, en moyenne, il y avait 2 personnes par ferme. Ça veut dire qu'il y avait 350, 400 agriculteurs à l'air. Donc voilà. Aujourd'hui, il reste un petit peu plus de 30 fermes. Je dirais 30, 32, je n'ai pas les dernières statistiques. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de 2 personnes par ferme. Et je dis, l'agriculture ne peut pas continuer dans ce mode de fonctionnement. Il faut qu'on ait des gens, qu'on soit plus nombreux sur les fermes. Et donc ici, on a la chance d'être 4. J'espère que dans 15-20 ans, quelque part, j'aurai envie d'idéaliser une ferme où il ne serait pas 4, mais on serait revenu à des modes de production, peut-être, où il y aura des choses en termes de transformation ou autre, et qu'il puisse encore y avoir plus d'emplois. À Brandéa, on semble anticiper cette éventualité. Alors, au niveau de la ferme, moi, j'y ai travaillé... dès tout jeune. Enfin, je pense que la maîtrise de la traite, par exemple, qui est c'est le gros du travail sur la ferme, on va dire, d'un côté. C'est ce qui récompense tout le reste de l'année aussi, et c'est tous les jours. Et pendant les étés, depuis que je suis au collège, par là, je travaille sur la ferme. Et après, la question de vraiment m'installer, moi, s'est posée plutôt... ça devait être en octobre 2008, parce que j'étais en première en fait, et Hervé avait rejoint la ferme depuis quelques années, et c'est en travaillant sur la ferme avec lui, ça a vraiment été là le marqueur, quoi. J'ai fait l'école d'agronomie en me disant, l'objectif à terme de toute façon c'est de m'installer sur la ferme, c'est d'avoir un métier où je travaille avec les animaux, je travaille dehors. Ses études terminées, Benoît souhaite vivre une expérience plus variée afin d'enrichir la vie de la ferme. Il s'est installé à Paris et travaille à présent à l'Institut de l'élevage. Une vie loin de la terre à bien des égards, mais sans aucun doute lui offrant de riches expériences qui deviendront utiles. Du coup,
Quand je suis arrivé à Paris en 2017, j'avais pas, dans un premier temps, je n'avais pas de travail en arrivant à Paris. Et j'ai trouvé du travail assez rapidement. Donc j'ai commencé le travail où je suis toujours en juillet 2017. Et donc je travaille au département économie de l'Institut de l'élevage où je fais des études essentiellement sur la filière laitière. Donc c'est des études sur l'évolution de la collecte laitière, de ce que devient le lait. Donc on essaie de détailler, de comprendre les flux de cette matière qui est le lait. Donc en termes de préparation, c'est d'un côté un petit peu loin et en même temps ça donne une ouverture qui est intéressante. Quand on travaille sur la ferme, qu'on produit du lait, c'est savoir où il va aussi, c'est intéressant, c'est important. Ça me donne une ouverture sur la connaissance de la filière, le jeu d'acteurs au-delà de la ferme. Parce que quand on travaille sur une ferme, on n'est pas... Il y a la volonté de travailler avec les animaux, mais il y a aussi des humains déjà sur la ferme avec des associés. Mais il y a des humains partout autour quoi, qui gravitent. Comprendre qui sont les entreprises qui opèrent, quelles sont les dynamiques du marché, ça me semble aussi essentiel. Donc je dirais que c'est une bonne préparation. Et moi, j'y trouve une cohérence en tout cas dans ce parcours-là. Quoi. Le devenir la ferme dans 20 ans, j'espère qu'elle sera toujours là. Je pense qu'elle sera toujours là. Après, c'est comment la société va évoluer dans les 20 ans. Moi, j'avoue que moi, j'ai quand même de grosses inquiétudes, notamment sur les changements climatiques, sur l'évolution politique des choses, sur tout ce malaise qu'on sent dans notre société. Là, est-ce qu'on va devenir un jour raisonnable? Est-ce qu'on va être capable de se contenter de ce qu'on a? Est-ce qu'on va être capable de partager? Est-ce qu'on va être capable de... Parce que sans ça, on ira dans le mur. Dans 20 ans, moi, j'espère que des fermes comme les nôtres, il y en aura plein. Je ne ferai pas le pari. Mais si on veut que nos agricultures demain fonctionnent, je pense qu'on sera obligé de passer par là. Dans 20 ans, j'espère que... Dans 20 ans, mon plus jeune associé, il sera toujours là. Il sera encore jeune. Moi, il y a longtemps que j'aurais arrêté de travailler. Je ne sais pas si je serai encore sur cette planète. J'espère qu'il y aura cette continuité qui a été installée. C'est la troisième génération qui est là. Il y a sans doute la quatrième génération qui va arriver. J'espère que ce passage de relais, il se fera. Et puis avec à la fois ces valeurs... ou cet attachement familial au lieu, cet attachement familial, mais aussi, et surtout, plus que le côté familial, cet attachement à des valeurs. On transmet un outil pour durer, quoi. On n'est pas là pour presser le citron, on est là pour transmettre quelque chose à nos enfants et aux plus jeunes. Question intéressante, mais difficile pour moi, parce que ça me ramène à la réalité du temps, et dans 20 ans, je ne serai plus sur la ferme en exercice. Je dirais que mes souhaits, si tant est qu'il y en avait, j'ai tendance à penser que ce sera aussi à ceux qui donneront un avenir à la ferme de choisir. Et moi, je n'ai pas demandé à mon père ce qu'il fallait faire. Ils auront à faire leur choix. Et je pense que l'histoire de l'humanité est faite d'expériences différentes. Chacun amène sa contribution. Ça peut être dans un sens... mais ça peut être dans un autre. Après, c'est vrai que si j'avais quelques souhaits quand même, c'est que cette ferme reste en bio. Ce serait une logique dans l'histoire, en tout cas un désir que j'aurais, quelque chose qui me ferait plaisir. Ce serait qu'il y ait de l'emploi qui reste en quantité sur la ferme. L'esprit de l'agriculture bio vise l'avenir de la planète. Il s'agit de préserver la santé de nos collectivités, de nos écosystèmes et de nos ressources naturelles. À une époque où nos gouvernements signent des accords pour bénéficier d'un air plus pur, l'agriculture bio devrait être l'une de leurs principales préoccupations car elle a non seulement une empreinte carbone plus faible, mais elle préserve et renforce la santé des sols et reconstitue les écosystèmes naturels. Il est difficile de tenir tête aux lobbies. Difficile d'éviter leurs produits alimentaires corrompus et de garder nos terres libres de leurs organismes génétiquement modifiés.
mais chacun d'entre nous peut commencer à faire la différence en adoptant et en créant une culture plus axée sur le processus holistique de la production et de la consommation des aliments. C'est une campagne digne et utile à la préservation de notre planète.